s'appelle l'OVNI. Tout, 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 tout. Je suis Nicole Ferroni et je suis chroniqueuse, humoriste, animatrice, puéricultrice. Non, ça, pas encore. Je suis surtout la voix et la plume du podcast Oups. C'est un podcast qui regroupe les histoires de découvertes faites par accident ou par hasard. Des fois, ça arrive. On fait des échecs et tout. Et ben, il faut se dire qu'un échec, c'est pas toujours un échec. C'est peut-être le début d'une découverte. Par exemple, cette tache que vous avez sur votre t-shirt. Eh ben, ne la jugez pas. Qui sait, si ça se trouve, grâce à elle, vous allez découvrir une nouvelle façon de créer du détachant. Merci qui ? Merci la tache. Il permet de lutter contre l'inculture, l'ignorance, fléau de ce monde. Non, et surtout parce qu'il permet de redorer le blason de l'échec et des boulettes. Ouais, c'est vrai que très souvent on se juge quand on rate. Eh ben non, cessez de vous juger si vous ratez quelque chose. Et dites-vous que c'est peut-être le début d'un très beau chemin. Voilà, mais pour ça, il faut écouter Oups pour se le persuader. Moi, je m'intéresse beaucoup à la science. D'ailleurs, j'en avais fait mon métier jadis. J'avais été prof de SVT. Et même si j'ai arrêté ce métier, vous savez, je n'ai jamais arrêté cette passion. Parce que la science, c'est la vie. La science, c'est l'oxygène, c'est les planètes, les grenouilles, les oreilles, les globules. Mais toutes ces choses passionnantes qui font notre quotidien. Oui. Oui, j'ai appris des choses pendant l'écriture et l'enregistrement de Oups, par exemple le cas de la mauvéine. Alors, je ne vais pas tout vous spoiler, je ne vais pas tout vous dire comment a été inventée la mauvéine. La mauvéine, c'est un colorant qui a été inventé par accident. Voilà, c'est ce fameux William Perkin, hein. Ah, sacré William, qui pensait faire ce que vous allez entendre et qui au final a fait la mauvéine. Je vous laisse découvrir. La plus drôle, parce que c'est aussi la plus connue, c'est celle de la pénicilline, voilà, qui au départ est partie d'une moisissure. Noni ! Voilà. C'est vrai que souvent on a des choses moisies dans le frigo et on a tendance à se dire que c'est dégoûtant. Alors que non, c'est peut-être tout simplement le début d'une grande découverte scientifique. Et ça, c'est drôle. Est-ce que j'ai déjà eu une idée géniale par accident ? A few moments later. Oui, oui, oui. Oui, mais laquelle ? One eternity later. Alors, moi, j'ai déjà eu des idées de blagues par accident. Parce que des fois, je sais pas, peut-être j'ai des problèmes d'audition. Mais des fois, j'ai l'impression d'entendre pas les bons mots. Et donc, mon cerveau interprète des choses qu'il n'a pas entendues. Donc, je vous donne une de mes inventions du jour, puisque je l'ai inventée aujourd'hui. Eric, la personne qui fait le podcast de Oups, celui qui s'occupe d'enregistrer les micros, nanana. Aujourd'hui, au restaurant, il a commandé une entrecôte. Et moi, au lieu d'entendre entrecôte, j'ai entendu entrepoulpe. Et l'entrepoulpe grillée, eh ben, ça serait une belle invention. C'est pas facile parce que vous savez, dans Oups, on a vu qu'il y a quand même beaucoup d'inventions qui sont très utiles. Que ça soit voilà la pénicilline, les vaccins, le PPDT. Alors là, bon, vous allez me dire le PP de quoi ? Bah oui, mais bon, aussi si vous n'avez pas encore écouté le podcast Oups, je peux pas. Là, on est, voilà, faut se mettre à la page. Hein. Vous écoutez, vous allez voir, vous allez dire ah ouais, je savais pas. Autant, vous voyez, il y a quand même des inventions incroyablement utiles qui ont été faites par accident. Autant, il y a quand même parallèlement des gens qui se sont vraiment cassés le crâne hein, pour faire des trucs qui servent pas tellement. Je pense notamment à ces lunettes et serviettes éponges qui permettent d'absorber les larmes. Est-ce que ça changera l'humanité ? Je ne crois pas. Oula, d'accord, bravo, super. Voilà, ça c'est par accident. Oups. Évidemment, oups. Très très oups même. Hein. Oh. Alors je dirais pas oups, je dirais. J'ai
dirais qu'il y a des choses qui sont oups et des choses qui sont pas oups. En fait, je pense que c'est mi-oups, mi-pas-oups. Oh, les cornflakes, oups. C'est, alors, non seulement c'est oups, mais c'est... Oh, l'eau, voilà, ça, c'est presque une question philosophique. Je dirais qu'initialement, j'ai envie de dire pas oups, l'eau, mais quelque part, oui. Est-ce qu'on n'est pas tous un peu oups? Non, je veux dire pas oups. Ah, les chips, oups. Les chips, oups, même on les appelle. Ça a failli saper des choups. Oh, pas oups, non? Est-ce que ce serait pas genre une émission télé dont le tube cathodique a jamais marché? Peut-être. Non, je vais dire pas oups quand même. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et bien sûr, à bientôt sur le podcast de Gulli. Bisous! Aïe! Oups!